Guili, 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 guili. Oh, il aime bien qu'on le titille, le slam. Hein. Oh, guili, 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 guili. A tout de suite. Guili, 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 guili. Village départ, en ce jour de repos avec nos invités. On se retrouve dans 3 minutes. Elle est là, Louise Eklund, une Anglaise dans l'émission. Jessie Matador, c'est le tube de l'été. Allez, hola, olé. Et Christophe Alévèque. Salut Christophe, je te laisse lancer la météo et on se retrouve dans 3 minutes. Tout de suite, de la pluie, des nuages et un réchauffement climatique qui ne s'arrêtera pas. Je vous annonce une catastrophe. Voilà, à tout de suite pour Village Départ.
France 3. J'ai une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le suspect numéro 1 a très mal supporté les fêtes de fin d'année. Vous l'avez tué ? Résultat, si Rudy veut savoir la vérité... Tu vas continuer l'enquête. Il va devoir se débrouiller tout seul. Tu sais même pas dans quelle direction il faut chercher. Plus belle la vie, ce soir à 20h10 sur France 3. Mais enfin, qui est le père ? Je sais un secret sur elle. Il n'y a pas de père. Si j'étais juive, vous me le reprocheriez? Sûrement. Si vous étiez juive, vous auriez peur de moi. La fornication, hors des liens sacrés du mariage, conduit toujours au malheur. Écoutez la raison. Je vous en prie. Ou laissez vivre ses sentiments. Un village français, troisième saison. Demain à 20h35, sur France 3. Et retrouvez les deux premiers épisodes de cette saison déjà sur plus.fr. C'est qu'on va danser, on va se trémousser, on va jouer. Magnolia Forever. Oui. Si vous ne trouvez pas la prochaine, là je vais me fâcher. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On la chante tous ensemble. Tous ensemble. On est juste un petit truc. Catherine, Sylvain, c'est fini. Ah, déjà ? C'est bon, vous pouvez arrêter. Samedi et dimanche à 20h10 sur France 3, vous dites un mot et ils le chantent. Et pour divertissement, ils répondent. Votre soirée. Elle rêvait d'être danseuse, elle est devenue stripteaseuse à Pigalle. À 20h35, la belle Maud revient dans son village pour enquêter sur la mort de son frère et mettre toute la vérité à nu. Et tu voulais que je croie que t'as changé, c'est ça ? J'avais pas le choix. À 23h20, soir 3. À 23h45, hommage au réalisateur et acteur Dennis Hopper avec Easy Rider, le road movie emblématique des années 60 dont il partage l'affiche avec Peter Fonda et Jack Nicholson. Suspense et hommage trépidant ce soir sur France 3.